Salut à tous, c'est Nick pour Stars Music. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de À la Loupe. Et aujourd'hui, on va faire le tour ensemble de la toute nouvelle gamme des célèbres cartes son de la marque Focusrite, les fameuses Scarlett, 4e génération. C'est parti. Focusrite revient en force en cette rentrée 2023 en annonçant la toute nouvelle génération de Scarlett et on va voir tout de suite ensemble, au-delà du design, les améliorations et les nouveautés qui ont été apportées sur les différents modèles de la gamme, à commencer par la Scarlett Solo. C'est la plus petite interface de la gamme qui offre une entrée micro et une entrée instrument. Elle convient donc aux personnes ayant besoin d'enregistrer une voix ou une guitare, ou les deux simultanément. On a une sortie stéréo pour brancher des enceintes et une sortie casque avec un potard de contrôle de volume pour chaque sortie, ce qu'il n'y avait pas sur les versions précédentes. On retrouve le mode Air qui a été amélioré puisque maintenant il propose trois couleurs différentes. Non seulement de ramener de la présence à votre voix lorsque vous vous enregistrez grâce à une légère équalisation dans les hauts médiums, ce qui va jouer un rôle sur les harmoniques et la présence, mais il propose maintenant un drive qui va rajouter de la chaleur et du caractère à vos prises de son. On passe sur la célèbre 2i2 qui elle offre 4 entrées, à savoir 2 préamplis en XLR et 2 entrées instruments en jack avec niveau ligne ou haute impédance pour guitare ou basse et 2 sorties, donc une pour le casque et une pour le monitoring. On retrouve le mode Air que je viens de vous montrer sur la Scarlett Solo et surtout 2 nouveautés. Premièrement, le mode autogain. Cette fonction permet à l'interface de faire une moyenne du signal que vous lui transmettez et il va régler de manière automatique votre gain d'entrée. En gros, il va faire le rôle d'un assistant et faire les réglages à votre place pour en tirer les meilleurs résultats. Deuxièmement, juste à côté, on a la fonction Clip Safe, qui comme son nom l'indique, va vous éviter les saturations et donc les effets de clip dus à un signal trop fort. Donc ce sont deux fonctions vraiment très pratiques pour vous qui vous enregistrez tout seul à la maison ou qui débutez dans l'enregistrement, et surtout, ça va vous garantir le meilleur enregistrement possible. Et enfin, on passe sur la 4i4, qui elle propose 4 entrées, dont 2 entrées combo XLR et jack, et 2 entrées ligne, et sur ce modèle, contrairement aux deux autres, elle propose également du MIDI. Upgrade très importante également sur cette 4e génération, Focusrite y a intégré ses convertisseurs très haut de gamme, issus de la série RedNet, qui offre une plage dynamique de 120 dB, ce que l'on trouve en général sur les interfaces professionnelles en studio. Tout nouveau également, jusqu'à maintenant, on avait un système de code couleur pour indiquer visuellement les niveaux, c'était soit vert, soit orange, soit rouge. Sur la 4e génération, c'est un système de halo lumineux, avec niveau dynamique gradué. On revient sur l'interface et on remarque qu'absolument tous les contrôles sont directement en façade de la carte, donc on a tout sous les doigts, mais il est également possible de contrôler tous les paramètres de la carte son à travers l'interface logicielle dédiée, c'est-à-dire que l'on peut piloter entièrement la carte son depuis l'ordinateur. Les Scarlett sont auto-alimentées par l'ordinateur, mais on voit qu'il y a 2 sorties USB sur les Scarlett 2i2 et 4i4. Ça va tout simplement permettre aux personnes qui travaillent sur smartphone ou tablette de pouvoir brancher les interfaces sur secteur pour l'alimentation sans vider la batterie du téléphone ou de la tablette. Pour compléter la gamme, Focusrite a conçu des packs spéciaux pour les personnes qui débutent dans le home studio, dans lesquels vous allez avoir en plus un micro de studio large membrane et un tout nouveau casque de monitoring ainsi qu'un câble XLR. Pour compléter le tout, vous avez un bundle logiciel offert avec notamment Ableton Live Lite, Pro Tools First et un tas de plugins de traitement comme l'Autotune par exemple et un certain nombre d'instruments virtuels. Bref, un bundle très intéressant et très complet pour débuter ou simplement compléter votre bibliothèque d'applications et de plugins. Pour l'installation, Focusrite met à disposition une toute nouvelle version du Easy Start qui va vous guider pas à pas pour rendre l'installation plus fluide et plus rapide. Toute la gamme Scarlett 4e génération est bien évidemment disponible sur notre site Stars Music et dans nos magasins de Paris, Lyon, Lille, Toulouse, Bruxelles et maintenant Bordeaux. Alors je vous dis à très vite. Ciao.